Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire La formation, une clé pour engager et fidéliser les professionnels du prendre soin. Je vais commencer par les présentations. Donc moi, je suis Alexis Dresco, je suis responsable pédagogique de Compagnie. Je fais partie des intervenants qui vont nous parler du recrutement, de l'engagement et de la formation durant ce webinaire. On a avec nous Julie Canetti, qui est DRH sur plusieurs établissements médico-sociaux. On a aussi Betty Duchâteau, qui est chargée ressources humaines sur la partie formation, et Sybille Villot, qui est formatrice, coach et psychologue du travail. Alors, pour commencer, un petit constat en fait, du secteur. Le secteur du prendre soin, donc, ça comprend à la fois les services d'aide à domicile, les EHPAD et les habitats partagés. Donc, on le sait tous, c'est un secteur qui connaît des problèmes de recrutement assez importants. Pour donner quelques chiffres qui sont issus du rapport El Khomri en 2019, dans les EHPAD et les SIAD, on a 81% des recrutements qui sont jugés difficiles par les responsables. Ça donne à peu près 60 000 postes non pourvus, donc c'est assez énorme. Et évidemment, c'est une problématique qui est assez complexe et qui revêt plusieurs enjeux, comme l'attractivité. Un autre petit chiffre, on a moins 25% de candidatures au concours d'aide-soignants et d'accompagnement éducatif et social en l'espace de 6 ans. Donc c'est pareil, c'est assez préoccupant, hein, ce manque d'attractivité des métiers du prendre soin. Et même quand on arrive à recruter, on se rend compte qu'on a un turnover qui est assez important. Alors nous, on tient à vous dire, avant tout, ça nous tenait à cœur de faire ce webinaire et d'aborder ce sujet du recrutement, même si il n'y a pas de recette magique pour gommer toutes ces problématiques-là. Ça passe par une transformation systémique du secteur, à toutes les échelles, pour les directeurs, pour les responsables, les cadres, les professionnels, et à l'échelle de la société. Cependant, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des leviers qu'on peut faire jouer dès aujourd'hui pour améliorer un petit peu la situation. Nous, on pense que l'engagement des salariés, c'est un levier essentiel pour réduire le turnover. Pourquoi ? Parce qu'un salarié engagé, qui croit dans sa mission, qui est aligné avec les valeurs de sa structure, qui se sent valorisé, qui se sent compétent, il a moins envie de partir, en fait. Donc, ça passe par plein de choses. On a besoin de, évidemment, faire travailler les gens dans des conditions décentes, mais, comme j'ai dit, ça passe aussi par un alignement de valeurs. L'idée, c'est de construire un système gagnant-gagnant, à la fois pour la structure et pour les professionnels qui y travaillent. Donc évidemment, il y a encore une fois plusieurs manières d'engager ces salariés. C'est assez complexe, c'est multifactoriel. Donc des conditions de travail à l'intégration, en passant par la formation continue. Nous, Compagnie, on est un organisme de formation, donc on a beaucoup cette expérience de la formation continue et on pense que c'est un levier assez énorme en fait, pour engager les salariés d'une structure. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce webinaire sur ce thème-là aujourd'hui. Pour parler un petit peu de la formation continue, avant de laisser la parole à Sybille Villot, nous, on pense que proposer des formations à ces salariés, c'est d'abord leur envoyer des messages, en fait. Avant même les formations, leur proposer quelque chose, c'est leur dire « on veut construire quelque chose avec vous ». On veut construire quelque chose avec vous sur le long terme. C'est déjà un message assez fort, en fait. C'est leur dire aussi « on croit en vos capacités ». On croit en vos capacités, on a envie d'accompagner votre montée en compétences pour vous, pour nous, encore une fois, à l'échelle de la société. C'est aussi leur dire, on est à l'écoute de vos besoins. Donc ça, je pense que c'est un levier d'engagement qui est vraiment très fort et qui permet à tout salarié de se sentir valorisé, parce qu'on a tous besoin de se sentir reconnu dans son travail. C'est aussi croire en leur épanouissement personnel. On n'est pas dans des secteurs, comme vous le savez tous, où on va utiliser les salariés pour faire du profit, etc. Bien sûr, il y a un réalisme économique à avoir, mais on est sur une logique du prendre soin, une logique d'épanouissement de chacun dans des systèmes qui favorisent la montée en compétences de tout le monde et la qualité des accompagnements. Pour nous, la formation, c'est aussi créer une culture commune en fait, dans une structure. Nous, on ne croit pas vraiment dans les formations qui sont comme ça, une fois sur une demi-journée. Finalement, on aime bien quand les structures essayent de créer une culture commune, une culture d'échange, une culture d'apprentissage en continu.
Parce que la formation, c'est aussi des groupes qui apprennent à se connaître. Bien sûr, il y a le côté montée en compétences, compétences techniques, mise à jour de compétences ou acquisition de nouvelles compétences. Mais c'est aussi des groupes qui apprennent à se connaître, en fait, dans un autre contexte que le quotidien opérationnel. Quand on a des professionnels qui font des formations, elles restent une journée, 2 jours, 3 jours en formation et elles apprennent à se voir, à créer des liens dans un autre contexte. La formation, c'est aussi faire venir quelqu'un de l'extérieur. Donc, c'est souvent une bulle d'oxygène, en fait, pour les professionnels. La personne, le formateur, il va apporter un regard extérieur. Quand on fait des formations en interne, évidemment, ça a énormément de vertus, mais ça peut s'apparenter à une, pour les stagiaires, pour les apprenants, à une forme de réunion parfois. Faire venir quelqu'un d'extérieur, nous, on pense que c'est quelque chose de très vertueux. Alors, pour l'exemple, nous, compagnie, on forme des structures pour transformer leur organisation, notamment pour passer en équipe autonome. Et ça change complètement leur manière de travailler. Ça permet de valoriser les professionnels et ça passe par une série de formations. Donc, ça demande un engagement de la structure. Donc, il y a tout ce que je disais sur le fait de créer une culture commune, mais c'est aussi différentes manières de travailler où les professionnels, ils vont pouvoir acquérir une forme d'autonomie aussi dans leur travail en intelligence collective. Sur la partie formation, je vais laisser la parole à Sybille Viau, qui, en tant que formatrice, coach et psychologue du travail, parlera de ça bien mieux que moi. Là, j'ai introduit de manière un petit peu générale. Donc, je t'en prie, Sybille, je te passe la balle. Merci Alexis, bon, la balle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je suis effectivement consultante indépendante en évolution professionnelle et formatrice chez Compagnie. Ma fonction principale, c'est effectivement d'accompagner les personnes en individuel pour développer leurs compétences, soit par les bilans de compétences ou la formation. Et là, pour le coup, on parlera de collectif. Alors, effectivement, la fonction de formatrice chez Compagnie, elle a une fonction très, très intéressante. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire des formations auprès du public d'auxiliaires de vie, notamment sur un thème sur la communication empathique, et également en fait sur un public de manager avec une transformation, comme on parlait de transformation tout à l'heure, enfin en tout cas tu parlais de transformation, de pouvoir accompagner d'une posture de manager à une posture de coach. Donc voilà en fait les différentes formations que moi je mets en place et pour ça j'ai pas mal d'exemples de justement de l'avantage de cette formation. Alors, avant, moi, j'étais consultante formatrice dans un organisme de formation pendant quelques années, on va dire. Mon expérience de formateur m'a fait prendre conscience que la formation avait un effet bénéfique à court, à moyen et à long terme. Alors, c'est vrai que quand on parle de court terme, en fait, tu parlais tout à l'heure de bulle d'oxygène, Alexis. Effectivement, la bulle d'oxygène, c'est de pouvoir, en fait, se décaler par rapport en fait à notre quotidien, enfin à leur quotidien et pouvoir échanger entre pairs. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice de la formation qui permet effectivement de pouvoir échanger entre collègues, entre personnes qu'on ne connaît peut-être pas forcément, apprendre à se connaître, à s'ouvrir, à développer les compétences et à faire monter les compétences aussi bien techniques avec des outils qu'on apporte en fait en formation et surtout des outils de développement qui sont liés en fait à une compétence humaine. Donc l'agilité au niveau du groupe, la connaissance, la meilleure connaissance de soi, surtout sur des thèmes qui touchent en fait la communication empathique. En tout cas, le court terme, c'est vraiment de pouvoir développer les compétences donc plutôt techniques et plutôt ce qu'on appelle les soft skills, en fait, les compétences humaines. Et puis apporter aussi un dynamisme au quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'avantage sur le court terme. À moyen terme, puisqu'en fait les formations sont un peu décalées dans le temps, donc ce qui permet effectivement de pouvoir se reconnaître en fait dans son quotidien et de mobiliser justement les connaissances apportées en formation et les transférer sur l'opérationnel. Et à pouvoir se tester par rapport à ces nouveaux outils, comment on les utilise dans le milieu opérationnel.
Et à moyen et long terme, en fait, c'est aussi de pouvoir s'impliquer dans des nouveaux gestes peut-être de métier, une nouvelle façon de s'engager. Tu parlais d'engagement tout à l'heure, Alexis, de s'engager et d'engager ben, qu'est-ce que je mets comme sens dans mon activité avec toutes ces nouvelles compétences que j'ai acquises il y a quelques moments. Et aussi à long terme aussi, donc court, moyen et long terme enfin, ben c'est aussi en fait, je pense que la formation apporte, évite ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas ralentit le turnover parce que les personnes se sentent impliquées, se sentent considérées, se sentent reconnues dans leur activité et investir, parce que tu parlais d'investissement tout à l'heure, en fait, investir dans la formation, c'est investir en fait aussi dans l'humain pour apporter en fait en développant une meilleure connaissance de la structure et avancer évidemment en fait sur l'image, on pourrait dire image de marque de l'entreprise. Parce que globalement, en fait, les entreprises qui investissent dans la formation, généralement les salariés, ils se rendent compte en fait que c'est important pour eux pour développer leurs activités et leurs compétences, mais c'est aussi pour se remettre en question et faire évoluer aussi la structure. Voilà en fait pour le court, moyen, long terme. Alors tu parlais des moyens pédagogiques qui étaient utilisés chez Compagnie. Alors il faut savoir que chez Compagnie, on aime bien les formations qui impliquent les stagiaires dans la connaissance des nouveaux outils. Donc c'est plutôt une formation qui est d'ordre expérimental. On se sert vraiment des cas concrets qui sont recensés et qui viennent du terrain. On se sert en fait en tant que formateur de l'expérience du terrain pour pouvoir faire avancer et faire prendre conscience de certaines façons d'améliorer les choses. Et on se sert aussi de cette bulle en fait d'oxygène pour pouvoir expérimenter. Donc en fait les formations, c'est un peu comme un laboratoire. Moi j'aime beaucoup utiliser des métaphores. C'est un peu un laboratoire d'expérimentation, d'expérience qu'on a eu par le passé, de comprendre comment ça s'est passé, d'intégrer des nouveaux outils et de mettre en place en fait peut-être de nouveaux gestes de métier. Voilà ce que j'avais envie de dire. En tout cas, l'expérimentation sur place des gestes de métier du terrain en fait permet de faire un peu des jeux de rôle et de se dire tiens voilà comment ça s'est passé et comment avec les nouveaux outils on pourrait en fait améliorer la situation. J'ai quelques exemples en tête de formations où globalement en fait les personnes arrivées n'étaient peut-être pas forcément toujours au courant en fait du programme de formation et se posaient la question en disant mais qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on va nous obliger en fait à apprendre de façon scolaire, alors que pas du tout, au contraire, au fur et à mesure, y a une personne une fois qui était vraiment démotivée et qui avait vraiment l'impression qu'elle n'était pas considérée et que cette formation lui a permis de faire reprendre conscience en fait que finalement l'institution a permis effectivement de se retrouver dans de nouvelles façons de faire et ces nouvelles compétences et à apporter forcément en fait en disant tiens oui, effectivement j'avais peut-être presque envie de partir mais là avec tous les outils qu'on me donne ça me donne envie d'aller un peu plus loin et d'être en confiance en tout cas avec l'institution dans laquelle je suis. Donc ça c'était un premier cas. Un deuxième cas où on avait vraiment en fait la révélation de potentiel, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça peut être aussi un effet court terme, c'est que finalement en formation par l'utilisation et l'expérimentation pédagogique de la formation, ça permet effectivement de prendre conscience qu'il y a un potentiel, une zone de potentiel en nous et de révéler cette zone de potentiel. Et la formation a permis à une jeune personne justement d'être force de proposition. Au début, voilà, elle était exécutante. Et en finalité, à l'issue de la formation, elle a pris conscience qu'elle avait des idées créatives, innovantes, et elle a été force de proposition auprès de sa direction et finalement en fait on lui a fait confiance. Donc c'est vraiment en fait un véritable
déploiement de potentiel, en tout cas de pépites à l'intérieur des structures. Et puis, un autre cas où, notamment en fait dans la communication empathique, on travaille beaucoup sur les émotions, on travaille beaucoup sur l'empathie, et on se rend compte effectivement que dans ce cas de figure, il y a certaines personnes qui a pris conscience, donc lors de la formation, qu'elle avait un mode de communication très, très tranchant, très... très directive, et finalement, grâce à cette formation, elle a pris conscience que elle était peut-être pas forcément dans une bonne communication avec ses collègues et que ça pouvait potentiellement gérer en fait des tensions entre collègues. Et le fait de prendre conscience de ça en formation, et ça permet effectivement d'accompagner les salariés en disant voilà, je prends conscience que je suis peut-être un peu tranchante, ça ce sont ces mots, et je mets en place en fait les outils que j'ai appris en formation pour pouvoir mieux communiquer, soit avec les bureaux, soit avec les collègues, ou soit même avec les bénéficiaires. Mais en tout cas, ça fait vraiment mouche à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que la formation compagnie, elle n'est pas descendante en fait, elle est vraiment interactive. On se sert vraiment des quatre terrains pour pouvoir faire avancer, faire évoluer et peut-être un peu moderniser aussi le métier. Voilà Alexis, ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas s'il y aura peut-être des questions. Enfin, il va y avoir des questions après sur ce sujet. Oui, c'est sûr. Merci Sybille. Mais je t'en prie. Il y aura des questions, effectivement, on y répondra après. Je vais laisser Julie et Betty intervenir, raconter aussi leur retour d'expérience. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Julie Canetti. Je suis DRH dans un groupement de coopération sociale et médico-sociale pour lequel adhèrent plusieurs structures. Donc, nous avons un SAD, un SIAD, des résidences-services, un service de santé infirmier, un organisme de formation, une résidence halte répit et un service de portage de repas petits travaux. C'est approximativement 700 salariés, essentiellement à temps partiel, sur un territoire qui s'étend de la Côte d'Opale jusqu'au bassin minier et un petit peu sur le nord. À la base, dans ce groupement, finalement, il y a le SAD, hein, qui s'appelle le SIAFPA, qui est situé à Noyelles-les-Vermelles. C'est l'association mère, j'ai envie de dire, qui a plus de 40 ans d'existence et qui avait à l'époque 20 salariés et qui a pu se développer, évoluer, qui compose aujourd'hui environ 600 salariés. Donc oui, je vais intervenir sur l'aspect de la formation parce que forcément, à une telle évolution et après, enfin, les enjeux qu'on connaît tous, les problématiques qu'on connaît tous font que la formation est en effet une clé pour en tout cas engager les salariés, mais aussi les fidéliser. Donc en fait, moi, je vais le prendre sur plusieurs angles. J'ai envie de dire que la formation, on peut le prendre sous l'angle plus pour l'engagement en effet des salariés, c'est-à-dire nous, dans un premier temps, on va utiliser la formation pour recruter. Vous l'avez dit tout à l'heure, le recrutement est difficile, plus que jamais, j'ai envie de dire aujourd'hui, derrière la crise sanitaire. C'était déjà le cas avant, mais je pense qu'on est tous confrontés à des problématiques qui se sont ajoutées ces derniers temps. Le fait qu'on a dû suspendre des salariés, etc. Enfin, je ne vais pas vous l'expliquer, vous connaissez tous. Donc, nous, vraiment, pour attirer le salarié, on essaye de passer par des dispositifs à travers la formation, tels que des POI, des AFPR. On s'oriente même aujourd'hui sur des GEC, donc c'est des groupements d'employeurs qui vont faire passer le titre ADVF à des candidats. Et ensuite, ils vont être en poste dans le cadre d'un contrat pro et on va pouvoir les prendre en contrat à l'issue de leur titre ADVF. Donc, c'est un premier levier, j'ai envie de dire, pour intégrer une structure d'aide à domicile ou encore une structure dans le champ du social ou du médico-social. Ce qui est important, c'est d'aller chercher avant tout la volonté avant la compétence. La motivation avant la compétence, pourquoi? Parce que une compétence, ça s'acquiert, alors que le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas à mon sens. Donc ça, c'était sur l'aspect recrutement. Sur un second plan, la formation, alors sur un organisme comme le nôtre, un groupement comme le nôtre, ça représente approximativement 500 salariés sur l'année 2021 pour les salariés de terrain, pour un budget de 150 000 euros.
Sur les salariés administratifs, on est sur 44 salariés formés en 2021 pour un budget de 65 000 euros. Donc, ça veut dire également utiliser forcément le plan de formation, aller chercher des dispositifs tels que, enfin, d'autres dispositifs qui existent ou encore sur le champ de la CNSA, etc., pour pouvoir financer toutes ces formations qui vont faire monter en compétence le personnel, encore le maintenir dans l'emploi, mais bon, il faut encore faut-il pouvoir les financer. Avant de mettre en place des formations, et il faut forcément, vous le savez, mettre en place le plan de développement de compétences. Pour cela, on s'appuie sur plusieurs choses. On va à la fois regarder le contenu des entretiens professionnels, hein, pour voir un petit peu quel est le projet professionnel des salariés, parce que si vous voulez aussi que ce soit attractif et préserver votre personnel fidélisé, il faut répondre aussi aux attentes du personnel. Et répondre aux attentes du personnel, vous allez pouvoir aller dans le contenu des entretiens pro pour essayer en tout cas de les accompagner vers leur projet professionnel. Alors, la difficulté, c'est que ça peut être un projet professionnel qui va répondre à une stratégie ou à un développement dans la structure, mais ça peut être aussi au-delà. Et ça, il faut savoir l'accepter et aussi accompagner le salarié. On va regarder également pour construire ce plan de développement et de compétences les entretiens d'évaluation pour voir aussi quels sont nos besoins en compétences, quels salariés faut-il former. Tout ça en lien avec la stratégie et le développement de la structure. En termes de formation, si je vous prends les exemples chez nous en 2021, on a pu mettre en place des formations, j'ai envie de dire, classiques dans notre secteur d'intervention. Bien-traitance, des handicaps spécifiques, troubles de la déglutition. Un petit peu plus technique, on forme aussi sur les aspirations endotrachéales, gestion de la violence et de l'agressivité. Donc bien sûr, là, on parle des usagers et des bénéficiaires, voire des familles. Établir un repas en moins de 15 minutes. On forme aussi également sur la prévention des risques à travers la formation PRAP2S. Et après, on va aller chercher des formations un peu plus diplômantes. Et du coup, là, il va falloir aller chercher des dispositifs et des financements au-delà du plan, comme le DEAVS, le titre pro ADVF, et également la formation, du coup, là, pour le coup, qui n'est pas diplômante, mais savoir évoluer en équipe autonome dans le cadre d'une transformation organisationnelle. Alors, tout ça pour vous dire quoi, je peux m'étendre sur beaucoup de formations. Là, on est plus sur, je pense aussi que vous êtes là également pour envisager, si ce n'est pas déjà le cas, une transformation organisationnelle en vue de toutes les difficultés actuelles. On s'est engagé auprès du modèle autonome, en tout cas, on a été accompagné pour mettre en place le modèle autonome, si je ne me trompe pas, au début 2020. Et on a commencé à mettre en place des formations en 2021. Donc, chez nous, en effet, sur les 500 salariés, elles ne sont pas toutes en équipe autonome. On en a une quinzaine en équipe. Donc, on est vraiment c'est vraiment une transformation chez nous, pardon, qui n'est pas encore déployée dans sa totalité. Les salariés qui sont en équipe autonome aujourd'hui ont suivi la formation « Savoir évoluer en équipe autonome ». Et les anciens managers, j'ai envie de dire, ont suivi la formation que vous aviez évoqué tout à l'heure, hein, Sybille, passer d'une posture de manager à une posture de coach. Donc, c'est vrai qu'un an plus tard, en termes d'indicateurs, on se rend compte que c'est très bénéfique. Si je vous prends les salariés en équipe, donc certes, ce n'est pas que grâce à la formation, mais c'est forcément lié. Les salariés en équipe autonome, on passe d'un taux d'absentéisme de 17, voire 20 % à un taux à 5, voire 6 %. On passe d'un taux de turnover qui était de 13% chez nous à un taux de 3% sur les équipes. Et un taux de satisfaction bénéficiaire qu'on ne connaissait plus aujourd'hui, puisque clairement, on n'a quasiment plus aucune réclamation des bénéficiaires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vraiment, la volonté du groupement, au-delà des équipes autonomes, je vous parle des équipes autonomes parce que je sais que c'est quelque chose, je pense, qui tient à cœur à beaucoup de structures ou en tout cas pour une évolution dans laquelle vous souhaitez vous engager. Il y a certes les formations en équipe autonome. Par contre, on met également en place d'autres formations pour attirer et fidéliser le salarié. C'est-à-dire que le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner son projet professionnel à travers des formations, et le faire évoluer. Après, le faire évoluer, ça peut être en interne et en externe. Et vraiment, moi, j'ai vraiment un objectif, c'est accompagner le parcours professionnel des salariés et, si possible, faire de la mobilité interne
On est un groupement de coopération sociale, médico-sociale, on a plusieurs structures. Aucun intérêt de voir partir le salarié ailleurs. Moi, l'idée, c'est de les former et de répondre finalement à des postes à pourvoir dans une structure qui adhère au groupement de coopération sociale. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en œuvre au maximum pour faire évoluer les salariés et les fidéliser et montrer aussi quelle est la valeur de notre groupement, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, si vous avez une ambition d'évoluer vers le soin, d'évoluer vers un poste d'infirmier, d'évoluer dans les bureaux, c'est possible. Alors certes, on n'arrivera peut-être pas à faire évoluer les 500 salariés, c'est peut-être pas la volonté de tous, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on pratique régulièrement et qui permet de fidéliser notre personnel. Et j'ai envie de dire, il y a le bouche à oreille qui se met en place et les salariés savent qu'ils peuvent évoluer. Que ce soit, voilà, ça peut être de la mobilité verticale ou horizontale, hein. Mais en tout cas, je pense que ça permet de fidéliser le personnel. Je peux vous donner quelques exemples concrets sur des parcours que j'ai en tête. On l'appellera Monsieur A, qui était pâtissier et qui en avait marre, très clairement, donc reconversion professionnelle. Et du coup, il s'est inscrit dans le cadre de la POEI, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuelle. Donc là, en lien direct avec notre centre de formation, c'est 400 heures de formation. Ensuite, CDD 12 mois ou CDI à la clé dans le SAD. Donc, il a commencé en employé à domicile chez nous pendant 2 ans. Formation inspiration endotrachéale était proposée aux salariés. Il s'est positionné sur la formation. Donc, il a suivi la formation. Il a obtenu, du coup, la possibilité d'intervenir auprès des personnes trachéotomisées. Et puis, lors de ses entretiens professionnels, il a clairement fait savoir qu'il voulait évoluer vers un poste d'EDUXP ou encore vers un poste d'AMP. On l'a orienté sur les démarches à suivre et là, il a mis en place son dossier. Il a passé, du coup, arrête-moi si je me trompe, un bêtis, c'est bien le DEAES option structure. Pour devenir aujourd'hui animateur dans le pôle développement animation communication chez nous, il intervient à l'échelle du groupement de façon transversale auprès des personnes pour mettre en place toute l'animation. Donc, enfin, à mon sens, c'est une belle évolution quand on sait qu'il était pâtissier et qu'il est passé par une POEI. Aujourd'hui, il est quand même voilà, animateur auprès du pôle de développement et animation. Je trouve ça pas mal. J'ai d'autres exemples concrets, hein. Là, on est plus sur de l'administratif. C'était une stagiaire qui était diplômée ESF, donc qui est passée responsable de secteur. Elle a passé sa licence chef de service et ensuite son DEMS pour finir directrice d'une des résidences qu'on a chez nous. Dernièrement, l'année dernière, on a une salariée du coup qui, à travers Transition Pro, qui a passé son DAES, option structure, qui souhaitait du coup aller vraiment en structure. Lors des derniers échanges qu'on a eu avec, on lui a expliqué que nous, en interne, on avait un service de soins à domicile. Avant de partir, on lui demande juste d'essayer parce qu'elle voulait vraiment plus faire de domicile, hein, écœurée du domicile, s'orienter vraiment que vers la structure. Et très clairement, on a fait un transfert de contrat. Elle est partie, enfin voilà, on l'a transférée sur le SIAD et plus que jamais, ça fonctionne très, très bien. Enfin, pour moi, c'est une belle réussite à nouveau. On a également, oui, c'est un bel exemple aussi, celui-ci. On a deux anciennes auxiliaires de vie sociale. On avait du coup mis une annonce. On a chez nous, dans le SAD, des postes enfin, qui étaient vacants en tout cas. C'est ce qu'on appelle des chargées d'évaluation et de suivi. Donc, en fait, elles interviennent auprès des bénéficiaires pour vérifier finalement si la prise en charge est adaptée, mais également vérifier si le salarié qui intervient alors j'ai pas envie de dire est assez compétent, mais en tout cas si ses compétences sont adaptées à la pathologie du bénéficiaire, c'est-à-dire que un salarié qui prend son poste à 20 ans n'a pas la même expérience qu'une salariée qui a 20 ans derrière elle, et il se peut que des fois elle manque de manipulation ou en tout cas une manipulation sur le matériel médical, etc., et qu'il suffit du coup de revoir et de l'aider dans la formation. Donc, c'était un poste vacant. On a proposé ça, du coup, aux auxiliaires de vie. Certaines, du coup, ont postulé. Et du coup, des auxiliaires de vie qui ont eu leur diplôme, à l'époque, on appelait DEAVS,
ont candidaté et ont évolué vers le poste de chargé d'évaluation et de suivi. Je peux m'étendre sur le sujet et vous parler de beaucoup, beaucoup d'exemples qu'on a chez nous parce que c'est vraiment une volonté forte qui est en lien aussi stratégiquement avec la GEP, qui était avant la GEPEC, donc la gestion des emplois parcours professionnels, où on essaye de mettre en avant toutes les passerelles possibles chez nous pour montrer un petit peu la volonté du groupement sur les mobilités internes, qu'elles soient verticales ou horizontales. Je ne sais pas si je peux en dire plus. Enfin, voilà, j'attends peut-être plus les questions pour voir si je dois m'étendre plus sur la formation au sens large ou sur la formation plutôt modèle autonome. Là, je vous ai expliqué plutôt au sens large tout ce qu'on a chez nous. Maintenant, je ne sais pas si je dois plutôt me concentrer sur des formations en particulier. Je vous redonne la parole du coup, Alexis ou Betty, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, non, mais merci pour ces témoignages. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir des exemples concrets, en fait, parce que la formation, moi-même, j'ai parlé en fait de la formation au sens général, en fait, de ce que la formation envoyait comme message aux salariés, etc. Ce qui est hyper important, bien sûr, mais en fait, je trouve que c'est aussi important de dire que c'est des parcours de vie, en fait, les formations. C'est des parcours de vie qui sont chacun individuels et qui, à la fois, vont connaître des mobilités. Horizontale ou verticale, mais aussi interne, pour faire le lien aussi avec ce que tu disais, Sybille, c'est des changements de posture, c'est des prises de conscience. Et parfois, quand notre quotidien opérationnel, notre travail, il est difficile, c'est des métiers qui ne sont pas évidents, hein, on le voit tous, hein, on a beaucoup de travail, on est parfois la tête dans le guidon sur notre quotidien, sur nos journées, etc. Et le fait même de faire des formations, c'est se demander en fait aussi, bah, qu'est-ce que je fais en fait là ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et parfois, quand il y a des postes à pourvoir, le fait de regarder aussi en interne les ressources qu'on a, c'est le sens des ressources humaines aussi, quoi. C'est quand il y a un possible alignement entre la volonté intrinsèque des employés, des stagiaires, des cadres, etc., et les besoins de la structure, c'est ça qu'on cherche finalement. Je trouve qu'il ne s'agit pas seulement de dire il faut former les salariés pour les épanouir. Oui, mais ce n'est pas que pour les salariés, ce n'est pas que pour l'entreprise non plus. C'est vraiment rechercher un système gagnant-gagnant pour tout le monde à échelle humaine et économique. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup en fait, dans la formation. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a pas mal de dispositifs, hein, aussi. Il y a pas mal de dispositifs de financement. Je sais que bah, parfois, les budgets, il faut le dire, ils sont un petit peu serrés. C'est normal. Mais il y a plein de dispositifs de financement. On peut se faire conseiller aussi dans sa structure là-dessus. Il y a des fonds en fait, qui sont prévus pour ça. Je vous rejoins entièrement. Enfin, ça dépend des tailles des structures, mais on fait régulièrement le point avec notre conseillère au niveau de notre OPCO. Là, dernièrement, elle nous a encore expliqué qu'il y avait un financement qui était tombé là pour former au titre pro en prenant en charge tout l'aspect pédagogique plus salaire. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de financements, des fois, qui soit de la région, soit du département, soit, enfin, tout dépend, et qui permettent en effet de dégager. De se dégager du plan de formation pour lequel, en général, excusez-moi, mais en général, nous, le plan de formation, on l'a déjà mangé. Dès qu'on met en place le plan de développement compétences, on se dit, bon, bah, ça y est, on a déjà fini le budget, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut absolument aller chercher des dispositifs externes, sinon on est coincé, c'est certain. Il y a une question que je trouve intéressante, parce que c'est vrai que c'est aussi ça la réalité du terrain. Comment faire quand les salariés font du mauvais esprit entre guillemets et qui n'ont pas envie de se former? C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, des salariés qui disent j'ai pas envie de me former, non, voilà, je sais pas si on peut apporter une réponse. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à la fois Julie, Betty, vous dans vos accompagnements, ou Sybille, vous en formation en fait, en tant que formateur? Je trouve ça intéressant d'avoir les regards aussi. Moi, je veux bien prendre la parole, si tu veux bien, Alexis, pour déjà amorcer la réponse. Alors, c'est vrai que il y a un des points de vigilance en fait, à mettre en place, effectivement, quand les futurs stagiaires ne sont pas suffisamment accompagnés, suffisamment,
n'y a pas suffisamment de communication autour de la formation, ça peut générer en fait des peurs, des stress, en disant, mais tiens, j'ai passé mon entretien d'évaluation, ou qu'est-ce qui va se passer après? Moi, il m'est arrivé dans une ancienne vie de formateur que, effectivement, potentiellement, la structure se servait effectivement de la formation pour pouvoir un peu dégager, j'ai envie de dire, les personnes qui n'étaient pas suffisamment compétentes. Mais ça, c'était il y a quelques années. Là, en tout cas, pour répondre à la question, c'est effectivement se dire, les personnes qui sont formées, les personnes qui ont participé à la formation et les personnes qui ont adhéré à la formation, parce que justement, c'est une autre dynamique pédagogique qui apporte vraiment l'implication et qui vient du terrain, c'est des véritables ambassadrices et ambassadeurs pour justement accompagner les formes de réticence, parce que quand il y a une forme de réticence, ça veut dire qu'il y a une forme de peur derrière, peur du nouveau, peur du qu'est-ce qu'on va nous demander en plus, etc. Et du coup, je pense qu'il est important d'accompagner cette peur et d'interroger. Et pour le coup, là, les coachs, en fait, sont là pour pouvoir justement aller chercher l'origine de cette réticence. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire que si on a envie de faire monter en compétence, il faut faire prendre conscience à la personne que c'est pour son développement de compétences personnelles, donc soit technique, comme je disais tout à l'heure, ou soit humaine. Et pour le coup, s'aider et se servir du tremplin des personnes qui ont déjà été formées, de les faire ambassadeurs, ça permet effectivement d'apporter une dynamique supplémentaire. Je ne sais pas ce que pensent Betty et Julie. Mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est ça, en tout cas, parce que oui. En effet, ça permet aussi, dès lors que ça se passe relativement bien en formation, c'est vrai, parce que c'est vrai que des salariés comme on a sur le terrain, c'est des salariés qui ne sont jamais assis 7 heures de suite, qui ne sont pas, la théorie, ça les dépasse pour la plupart. Et je pense que du coup, c'est important aussi de bien choisir la formation et l'organisme de formation qui va certes utiliser l'intelligence collective et à la fois utiliser le jeu souvent dans les formations. Alors, bien sûr, je vais vendre, on a un organisme de formation chez nous, on a une directrice qui s'appelle Form3A d'ailleurs, qui intervient dans notre secteur d'activité, mais qui va utiliser le jeu, qui ne va pas les laisser assis. Et là, c'est vraiment le message que vont véhiculer les salariés qui ont suivi la formation, qui va pouvoir aussi faire changer la donne et les mentalités. Alors, après, on aura toujours des personnes réticentes. Et à nous aussi, en RH, j'ai envie de dire, ou au manager, comme vous le dites si bien, Sybille, lors d'un entretien professionnel ou d'un entretien classique, de vraiment mettre en avant quelle est la plus-value d'une formation pour pas qu'elle soit subie. Oui, à ça j'ajouterais en fait un exemple d'une personne justement qui ne voulait pas aller en formation, vraiment réticente au fait d'y aller. Alors déjà par peur de devoir faire de la route, non, puisque c'était à proximité, notre organisme de formation il est vraiment à côté de notre siège social. Deuxièmement en fait la peur d'être avec d'autres personnes qui ne sont pas de la même catégorie socio-professionnelle. Or là c'était vraiment des salariés en fait de terrain, agents à domicile ou employé à domicile. La réticence qu'on a pu avoir aussi, c'est en fait c'est quand les formations ont été faites à distance par rapport à l'utilisation du matériel, ce n'était pas forcément facile. Les salariés s'y sont adaptés et la salariée en personne est venue me voir en fait en me disant c'était super la formation, j'ai adoré y être et est-ce que vous pourriez me repositionner? Alors, avant ça, j'avais pris rendez-vous avec elle, j'avais en fait expliqué la plus-value de la formation et puis l'intérêt pour elle et pour nous en tant qu'organisme qu'elle soit formée à l'évolution aussi. C'était sur la maladie d'Alzheimer, donc l'évolution des pathologies des personnes. Et franchement, on est content effectivement quand elle revient nous voir et nous précise qu'elle veut retourner de nouveau en formation. Ça arrive souvent en formation que les personnes... déjà dans la communication non verbale se positionne vraiment très fermée et qu'à l'issue des formations elles ont presque envie que ça continue et elles en redemandent en fait, en disant mais quand est-ce qu'on se revoit, comment on pourrait faire pour, et du coup ça leur fait goûter un petit peu aussi à une nouvelle façon d'amener la pédagogie
Évidemment, en fait, dans ce milieu-là, effectivement, vous disiez tout à l'heure qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise parce que, voilà, enfin, rester assise toute une journée, c'est compliqué pour elles. Effectivement, la pédagogie dans ce cas de figure est très, très importante. Le niveau de compréhension aussi et d'amener des outils pas très, très, enfin, de façon très académique. Parce que lire des choses, peut-être quelquefois, ça paraît peut-être très compliqué pour certaines personnes. Donc, faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres et d'impliquer. Vous parliez tout à l'heure, en fait, d'intelligence collective. Hein, c'est ça, en fait, c'est de se positionner et de pouvoir se saisir de la ressource collective pour pouvoir faire avancer et se faire sa propre ressource, j'ai envie de vous dire. Si, alors. Je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas en lien avec la question, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, la difficulté qui vient s'ajouter, finalement, en tout cas pour la formation des salariés de terrain, c'est de se dire, vraiment, en tout cas, c'est les retours des managers, et c'est vraiment désolant d'en arriver là, c'est de se dire, mais enfin, si tu prends la salariée à nouveau, si on doit la former pendant 2-3 jours, mais qui on va mettre? On n'a plus personne, on n'a plus de ressources. Et en fait, on en a un point, nous, en ressources humaines, quand on met en place développement de compétences, c'est de se dire, bon, ben, on peut former autant de salariés, mais très clairement, sur l'opérationnel, on sait qu'on va leur ajouter des difficultés. Et c'est très frustrant. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne forme pas les salariés sous prétexte qu'il n'y a pas de ressources. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, avant toute chose, de voir la formation sous plusieurs angles. C'était aussi d'envisager la formation avant l'entrée en poste, finalement, qui va prendre du temps, certes, parce qu'on recrute toujours dans l'urgence, mais des fois, il vaut mieux prendre un peu de temps, former 10 salariés pendant 4 mois et les avoir, finalement, en CDI et pouvoir derrière continuer à faire de la formation, parce qu'on devient même bloqué pour faire de la formation. Ouais, c'est ça, c'est aussi le problème du turnover. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de penser à la formation pour permettre aussi le recrutement en amont en fait du c'est recrutement. Ça. Exactement. Après, juste sur les difficultés opérationnelles que les formations suscitent. D'ailleurs, j'invite en fait s'il y a des participants qui travaillent dans des structures qui ont un rapport à la formation ou qui ont des peurs ou alors qui ont une expérience positive à aussi témoigner. C'est pas que des questions, c'est intéressant aussi d'avoir des témoignages, quoi, parce que des fois, il y a des peurs liées aux formations, notamment sur, voilà, ça a mobilisé mes salariés pendant tant de temps. Il n'y a pas de tabou, c'est vrai que voilà, faut en parler. Et il y a Julie, pour le coup, dans la discussion, qui disait c'est très concret et propre au terrain. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça, autant vous, dans votre EF interne que nous, compagnie, et puis il y en a d'autres aussi, hein, je trouve que c'est important d'avoir des formations, et puis avec une pédagogie aussi, qui s'adapte au public, en fait, qui est visé. Quand on a un public d'auxiliaires de vie, d'aide-soignants, etc., ou d'infirmiers qui interviennent à domicile, bah, effectivement, il y a un quotidien opérationnel qui est tendu. Bah, peut-être que de faire des formations courtes ou sur des courtes périodes, répétées parfois sur, sur quelques mois, mais avec une demi-journée par-ci, par-là, c'est peut-être des choses qui s'adaptent aussi bien au terrain. Et là, pour le coup, je trouve que c'est très important, à la fois dans la pédagogie et dans l'accompagnement des organismes de formation, etc., de s'adapter au quotidien opérationnel, quoi, des professionnels de terrain. Il ne s'agit pas en fait de créer plus de difficultés que de bénéfices. Exactement. En fait, de la formation. C'est vrai que du coup, ça deviendrait absurde. Et je comprends, moi, qu'en fait, on ait ces peurs-là, en fait, dans les structures. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi aujourd'hui, de confronter nos regards, parce qu'on a, tous un regard sur la formation, juste aussi sur je voulais réagir sur le côté, voilà, peut-être il y a des salariés qui n'ont pas l'habitude forcément d'être assis sur une chaise pendant 7 heures, et on disait que la pédagogie était extrêmement importante. Je pense, pour aller un peu au fond de la question, qu'il y a peut-être un traumatisme de l'école parfois aussi. Il y a une sorte de traumatisme quand certains professionnels terrain entendent formation, ils ont l'impression qu'ils vont retourner à l'école et qu'on va leur apprendre des trucs qui ne sont pas forcément en lien avec leur quotidien opérationnel. Et c'est pour ça qu'à la fois dans la forme et dans le fond, il est essentiel de s'adapter au quotidien opérationnel. Julie, vous parliez des formations Savoie et Wallonie Hippotonome. Voilà, nous, on a conçu cette formation exprès pour ça. C'est dans le fond et la forme, c'est une formation qui essaye de s'adapter en fait aux difficultés concrètes qu'ont les professionnels de terrain, quoi. Il ne s'agit pas de plaquer en fait de manière descendante une théorie non. Sur, un, non.
sur des personnes. Et ne pas oublier surtout, c'est d'impliquer, j'ai envie de dire, tout le monde, pas que les salariés de terrain. Il y a vraiment, c'est un changement de mentalité qui va de la direction jusqu'aux salariés de terrain. C'est un inversement, en tout cas, parce qu'à mon sens, les équipes autonomes, c'est unique, ça s'adapte à une structure, à ses valeurs, à sa politique. Il n'y a pas de modèle identique, mais c'est un modèle renversé d'une hiérarchie pyramidale. En tout cas, nous, on le voit comme ça dans notre structure, où on parle plutôt de bienveillance qu'autre chose. Et du coup, il faut que les mentalités, quand vous dites la formation, ça va du terrain, des managers, mais aussi de la direction. Il faut, faut absolument que toutes les parties prenantes soient impliquées. Sinon, c'est voué à l'échec sur les équipes autonomes, en tout cas chez nous, à mon sens. Donc, on a répondu à des appels à projets pour financer ces formations, d'ailleurs. Bon, on en a gagné certains et perdu d'autres, mais ça a permis de financer une partie des formations sur les équipes autonomes. D'accord, ouais. Ouais, non, mais effectivement. Il y a une question de Marie-Noël à laquelle on peut répondre. Bonjour, comment aider les managers à bien encadrer les formations des salariés pour des formations à distance où les salaires ne sont pas pris en charge et que le salarié est en quasi-autonomie? Oui, il y a peut-être des accompagnements aussi qui sont prévus. Donc là, ça serait par exemple sur une formation hors temps de travail, par exemple, je le vois comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux pans dans la question. Oui, voilà. Renaud a répondu. Quand c'est formation en dehors du temps de travail ou que le salaire n'est pas forcément pris en charge. Hors temps de travail, c'est ça. Après, sur les formations, en tout cas, hors temps de travail, on n'a pas pour obligation d'être au courant. Si le salarié nous informe l'employeur, c'est d'autant mieux. C'est un peu délicat, j'ai du mal à répondre parce que tout dépend de la formation. Nous, en tout cas, on n'est pas organisme de formation, on est l'employeur ou le manager. Tout dépend quelle est la thématique, quelle est la formation. C'est une formation qualifiante, certifiante. Toujours est-il que si en tout cas le salarié a informé l'employeur, je pense que c'est pour qu'il accompagne aussi dans son projet pro et qu'à l'issue il puisse avoir un entretien et envisager peut-être d'évoluer ou certifier, je lis en même temps d'évoluer vers un poste en interne ou à l'externe. Enfin, c'est tellement du cas par cas, c'est un petit peu délicat pour moi de répondre, peut-être que Sybille ou Betty Moi, j'ai envie de répondre à la première partie de la question, en fait. Je fais un peu mon shopping, on va dire. Comment aider les managers à bien encadrer les formations des salariés? Évidemment, un manager ou un coach doit être en capacité de pouvoir écouter les besoins et les attentes de son salarié. Et si c'est une formation hors temps de travail, évidemment, en fait, on sait qu'aujourd'hui, avec le compte CPF, on a une responsabilité de développement de ses compétences. Et du coup, si le salarié a besoin de se former hors temps de travail, pour se certifier, en tout cas par rapport à la question, c'est peut-être en discuter, peut-être avec le salarié. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même pas mal de fraudes qui tournent autour de la formation et du compte CPF. Oui. Et peut-être vérifier, d'accompagner, en fait, dans le développement de carrière, en tout cas, c'est aussi être force de proposition en disant, j'entends que tu es une salariée plutôt qui est attirée par tel domaine, je t'inviterai peut-être à te renseigner et ça sera plus en fait un accompagnement plutôt qu'une aide. Mais en tout cas, je pense que la notion d'écoute du besoin, c'est aussi de se dire, si moi j'ai envie par exemple de faire une VAE, je suis salariée, j'ai besoin de faire une formation VAE, comment ma structure peut m'accompagner dans cette VAE? Donc là, encore une fois, je pense qu'il y a des fonds, etc., qui peuvent permettre de faire monter en compétences et du coup de changer de catégorie. Ou alors, si c'est une formation qui n'a rien à voir pour le moment avec l'entreprise, c'est peut-être interroger ce pourquoi en fait la personne a envie de se réorienter pour ne pas laisser échapper peut-être le potentiel et se dire, moi, j'ai plutôt envie d'être dans l'administration, donc comment nous, on peut t'accompagner? Voilà, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais moi, je vois ça, en fait, derrière cette question. Voilà.
Oui, tout à fait. Si je peux compléter, effectivement, en fait, vous disiez que c'est du cas par cas. Bah oui. En fait, déjà, je trouve que c'est une première réponse. C'est du cas par cas. Effectivement, c'est un dialogue. En fait, c'est un dialogue, je pense, avec les salariés, entre le salarié et le manager. Et puis, vous avez, je pense, tout dit. Mais moi, je crois vraiment qu'un salarié qui veut se former à un autre métier, ou alors en interne, qui veut se certifier dans son métier, c'est un salarié qui a envie d'évoluer. Et en fait, si en tant qu'employeur, on n'écoute pas cette évolution, en fait, du coup, c'est un salarié qui ne va pas être engagé. Du coup, c'est un salarié qui va avoir du mal, en fait, à être fidélisé, à être engagé. Donc, je pense que c'est aussi le rôle de l'employeur. Donc, voilà, je pense que c'est un dialogue à faire au cas par cas. Et puis, voilà, discuter, en fait, avec discuter avec toutes les parties prenantes, quoi. Puis le taux de complétude à la complétion de la question, je trouve qu'effectivement c'est un enjeu, mais ça reboucle avec la question d'avant en fait. C'est aussi la manière dont on prépare ces formations. C'est-à-dire que évidemment, il ne s'agit pas de jeter en fait les salariés en formation. Quelqu'un qui finit sa formation, c'est quelqu'un qui l'a bien pensé en amont. C'est quelqu'un qui a pensé un projet, qui sait que c'est une formation qui va lui apporter des choses. Des compétences humaines, des compétences techniques, et qui du coup va plus naturellement aller au bout aussi. Moi, je rebondirais sur encore une fois, hein, j'insiste, je crois que c'est mon dada. La communication au travers en fait, de la formation est importante aussi. C'est comment c'est véhiculé, comment c'est transmis. Je sais que dans certaines structures, ben, voilà, en fait, ils regroupent, ils font des mini-réunions avec les personnes qui ont déjà été formées. Pour pouvoir justement permettre aux autres de découvrir que finalement ce n'est pas une formation en fait, académique et qui est plutôt pensée pour les gens de terrain, en tout cas. Donc ça, c'est un premier temps. Et un deuxième temps, c'est aussi de se dire que ben, la communication, c'est important de pouvoir peut-être ben, faire porter la formation par l'ensemble de la structure et peut-être l'imaginer ensemble en disant, ben voilà, moi j'ai envie de développer ces compétences-là, comment on peut faire et à quel sujet j'ai envie de contribuer, si c'est la communication, si c'est sur ces des gestes un peu plus techniques, vous parliez, Julie, tout à l'heure de trachéo, enfin voilà, parce que l'idée, c'est effectivement, en les formant, c'est en les éloignant en fait d'une... Quelquefois des cas qui sont un peu difficiles et concrets, et du coup, peut-être échanger autour des cas concrets, difficiles, et imaginer derrière, en fait, peut-être des solutions, soit de développement de compétences, via la formation, en tout cas. Ah oui, non, personnellement, je suis complètement aligné avec ça et d'accord. Je vais rajouter encore une chose pour compléter la complétion de ta réponse. Mais en fait, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. Les organismes de formation, en tout cas, nous, c'est notre croyance, en fait, chez Compagnie. En fait, ce n'est pas un magasin de prêt-à-porter dans lequel on va acheter quelque chose. C'est votre rôle aussi, Julie et Betty, c'est un accompagnement. Donc en fait, on va pouvoir conseiller les personnes, les managers, les employés, en fait, sur les formations qui sont les plus adaptées à elles, à leur structure, à leur métier. C'est pas juste, en fait, on prend une formation comme ça, telle quelle, qui est réplicable, en fait, d'un secteur à l'autre, d'un employé à l'autre. On a besoin, en fait, c'est aussi le métier d'un organisme de formation de s'adapter aux besoins du secteur et des employés conformes. Et après, j'ai envie de vous dire par rapport justement à cette évolution et à cette transformation, c'est de se dire que la formation telle qu'elle est imaginée sur les programmes que Compagnie le propose sur la communication empathique, etc., c'est aussi un point de départ. Et quelquefois, en fait, la formation, c'est vraiment le point de départ de bah, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me développer, j'ai envie de m'engager, et du coup, j'ai envie d'aller apprendre de nouvelles choses. Et ça peut être un point de départ, un fil conducteur sur le programme de formation à établir sur les demandes futures en fait, des salariés, des stagiaires qui auront déjà goûté
qui seront peut-être un peu réticentes au début, et puis après, elles auront tellement envie d'en apprendre que finalement, elles donneront elles-mêmes des... Moi, ça m'est arrivé en disant, ben, on pourrait faire des formations sur ça, on pourrait faire des formations sur ça. Et du coup, moi, en tant que formatrice, je les écoute, je les entends, et je leur dis, ben, c'est à votre responsabilité de faire remonter tout ça auprès d'une demande, lors d'un entretien, un entretien pro... En tout cas, c'est vrai que ça peut être le point de départ de l'avancée et l'évolution. Tout à fait, c'est aussi ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je vois qu'il est 15h04, ou est-ce que on a envie de rajouter quelque chose? Dernière chance pour une dernière question. Je crois qu'on a dit pas mal de choses en fait pendant ce webinaire. Si ça vous va, on va le clôturer. J'espère que ça a intéressé les spectateurs, qu'on remercie tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions et votre attention. Et merci aussi aux intervenants qui ont pris leur temps en fait pour participer et discuter de ce sujet, de la formation, de l'engagement, du recrutement, parce que voilà, on est tous... On est tous passionnés en fait aussi par ce secteur, par ce métier. On a envie de faire évoluer les choses, de développer en fait, de faire évoluer en fait ce secteur. Donc cet engagement, je pense qu'il est partagé par beaucoup. Et voilà, le message aussi, c'était que la formation est un levier qui est très important et qui est vraiment vecteur de changement en fait dans les organisations. Merci Alexis, à toi pour l'animation de ce webinaire. C'était avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci Julie, merci Betty et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous. Une bonne fin de journée. Également, merci. Au revoir. Au revoir.